Voilà, coucou, bonsoir la famille, bonjour, bonjour, bonsoir, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et avant de commencer le petit direct là, je répète encore de nouveau mes sincères condoléances à toutes les familles victimes de massacres du 1er décembre de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il n'y a pas ce qu'on ne t'a pas dit ici. Tu ne nous as pas écouté. Voilà. Président de la République, chef de l'armée, chef de quoi? Birdi Birdi. Mamadi Doumbouya, tu vas lire l'air. Donc, je t'informe, Mamadi Doumbouya, il y a une plainte qui sera déposée contre le CNRD pour crime contre l'humanité. Trois crimes, hein? Le 5 septembre, les gens ont compris maintenant que tu es un vrai bandit, un vrai délinquant. Le 5 septembre sera jugé comme crime contre l'humanité. Le dépôt de carburant de Kaloum, là aussi, il y aura une enquête aussi en Conakry. Il y aura une enquête encore plus préliminaire qui sera déposée sur la table contre le CNRD. Plus le 1er décembre 2024. Son maditi video yandi mi yawn mi wona nondo wol ko lebiti tati fetu nondo ka kelo binay ka perene ngambi tigiri no maditi ko kanko maditi ni lan on video mi wola nondo min ni le vrai problème de Mamadi Doumbouya ko e 1er décembre fudoto 2024 yandi de ko dum mi nata sin wadi video wadi live yo maru ko yon partage maron ka groupe djimon maro maditi don kom hal ko Harmi gitino on video kon wadono ko dum minni parce que mo wata mandi tagol video yidi fo kon wata kon ko non de lan wada video minna mare mandi tono winde maron le 1er décembre 2024 j'avais averti Mamadi Doumbouya j'ai dit tes vrais problèmes vont commencer le 1er décembre 2024 le 1er décembre j'étais dit Mamadi Doumbouya aujourd'hui, une plainte sera déposée à la CPI, Cour pénale internationale, si ce n'est même pas dans la semaine-là. Pour l'histoire, ce qui s'est passé à Zéro Kouré. Là, on nous parle plus de 400 et morts, 400 et quelques morts. Mamadi Doumbouya. Vous avez pris les corps. Et bien, tu fourres du go, Benabiritel, l'enca frontière. Entre Côte d'Ivoire et la Guinée, la frontière Guiton, d'autres corps ont été transportés là-bas. Maintenant, d'autres corps encore, vous avez ramassé d'autres corps. Beaucoup de corps, vous avez amené ça dans le camp militaire. Le 28 septembre, 1er septembre, procès international, crime contre l'humanité. Mamadi Doumbouya, tu vas lire l'air. Yo, la refondation. Ce n'est plus la transition. Hein. Maintenant, c'est la refondation. On va vous refondre. On va vous refondre en République de Guinée. Donc, Moussibé Guinée et Guinée, quand on nous vend l'homme, il faut aller au Langolon. Djoni, procès, audit était contre Mamadi Doumbouya. Himbe, ko wara kon zéro kure, yakano buri, himbe, teme et naï, kon maï kon. Fure gigono, yetano nabahaika, camp militaire. Kobe wadono kon, kobe inuno, dadis wadi kon le 28 septembre. On ne va pas répéter les erreurs du passé. Les mêmes erreurs du passé encore sont confirmées par le CNRD. À la tête de le président psychopathe, Mamadi Doumbouya. Petit, tu vas lire l'heure. Vous avez cru que la Guinée appartient seulement à un petit clan malinqué là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, Mamadi Doumbouya. Il y a pas ce qu'on t'a pas dit ici là. Laisse le pouvoir là. Organise les élections. Respecte ta parole. Ils vont te prendre, on va t'amener aux Nations Unies. Tu vas occuper une grande place internationale. Organise les élections libres et transparentes. Celui qui va gagner les élections, tu donnes le pouvoir à cette personne, Mamadi Doumbouya. Mais tu as été entouré de ces petits clans ethno-malinqués là, qui t'ont préfabriqué le cerveau pour dire il ne faut pas laisser le pouvoir dans la main des peuls. Tu vas là aujourd'hui. Hein? Idi Amin a organisé pour venir te haïr encore. C'est le même système qu'ils ont fait à Dadis, Mamadi Doumbouya. Les erreurs du passé, là, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Ce qui n'a pas marché dans le passé. Mamadi Doumbouya, la même chose, les mêmes méthodes, Idi Amin a pris pour utiliser contre toi. Ce qui s'est passé au stade de Zéro Kouré, là, c'est organisé par Idi Amin.
Mais quand on te parle, tu ne peux pas croire. Ça, la Mamadi Doumbouya, c'est organisé par Idi Amin. Hein? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont organisé l'histoire du 28 septembre pour que les gens détestent Dadis. C'est la même chose. On ne va pas répéter les erreurs du passé. Mamadi Doumbouya, tu vas lire l'heure. Vous avez vu la déclaration des Nations Unies tout de suite là, non? Ndare déclaration Nations Unies, y'a capable. Y'a Ndare déclaration Nations Unies. Si comme les Wall, ils vont dire que c'est faux. Ils ont dit au début 30 morts. Après 50, 50e mort. Mais vous avez entendu RFI, BBC, France 24, on y donc. Hein? RFI en train de dire plus de 200 morts. Mamadi Doumbouya, tu n'as pas compris. Maintenant, tu seras jugé par la force. Par la force, crime contre l'humanité, Mamadi Doumbouya. Est-ce que ça vaut ça? Tu es venu le 5 septembre. Alpha Condé ne respectait pas l'article 27. Alpha Condé ne respectait pas la justice. Les Guinéens ne se parlaient pas. Gabésie financière, la justice sera la boussole. Cette boussole est devenue sous-sol maintenant. Mamadi, honte à toi. Tu n'as rien vu. C'est trop tard maintenant. Tu ne peux plus te retirer. C'est trop tard. Je t'avais dit, Miwoluno, Djaka, on vit dans un bébé, non, marno. Bati Doumbouya, hein, le 1er décembre. Ko on bati à Dangolan, on vit dans Wolangolan, Fidon. Ko kapere Ndengambi. On est dans un bébé, Ngaldi, quand on est fille, on est dans un bébé, Ngaldi. Miwolano, Mamadi Doumbouya, mini, le 1er décembre 2024, mini, ko don vrai problème, Mamadi Doumbouya, Foudoton. Vrai problème, Mamadi Doumbouya, Foudoton. Kapere Ndengambi, ko kanko. Nous disons que nous avons vu la vie en vidéo. Vous n'avez rien vu. Mais nous avons vu la vie en vidéo. On andai ko hombo ni selu dalen yika. Bata wola etun kambe ko fi rasis yagal. Ibe bonu de la gine gila 1958. A wola etun kambe ko rasis yagal. Nous on s'en bat les couilles. Mamadi Doumbouya t'avait dit organise les élections. Dans la tranquillité. Tranquillement tranquille. Tu vas quitter. Après tu peux revenir. Tu nous as pas écouté. Tu es entouré de petits psychopathes comme toi là. Tu es entouré de petits ethno malinqués là. Ah, il y a un bon mansé là. Il y a un mansé là. Il y a un foulard là. Tu vas lire l'heure. Comme ce que Laurent Gbagbo a dit à Guillaume Soro. Tu vas lire l'heure, Mamadi Doumbouya. Tu vas lire l'heure. Les images que vous avez voulu chercher là pour mélanger la communauté internationale, pour mélanger les peuples et les forestiers là. Vous savez ce qui s'est passé à Telmile aussi. Hey, mignon, le cas de Zéro Kourela, l'abbé Zéro Kourela, c'est prémédité, c'est une préméditation. Ben, qu'on fait là, on organise Gorgol. On allait mélanger les peules avec les sous-sous. Écoutez, hein, c'était prémédité. C'était pour mélanger les peules avec les sous-sous. Après, mélanger maintenant les forestiers avec les peuls. Maintenant, l'ethnie malinké allait rester seule. On fait un système. Mais maintenant, ça nous sort bien. Et full bien. Mais maintenant, ça nous dit full bien, full ta gueule. Et forestier, ben, zéro pour eux. Quand nous avons terminé, ils ont commencé d'abord à terminer. L'équipe là est partie à Kindia, ils ont gagné, ils ont refusé. Maintenant, le match de retour là, ils ont fait ça à terminer. Mais voilà, le match de retour, on terminé. Demandez ce qui s'est passé à Telmile. Doye Barde Taube joue à ballon. Lande. Ko natu no tau ka tere. Won no be ka stadu fo no andi. Ka tere en Telmile don fo no andi. Fo no andi ko fe ino don ko. Ko beidin arin tau nati ka der stadu. Beidin nati ka der stadu. Di gindi der ton fo. Lande kala won no do ton. Hein? Les chèvres là sont venus rentrer dans le stade là-bas, Telmile aussi. Même chose, même système. Jusqu'à les gens se posaient des questions. Ah, les chèvres là sont rentrés ici, pourquoi? Pourquoi les chèvres là s'arrêtent pour regarder le sous-préfet là-bas et les tribunes là? Les chèvres là sont partis s'arrêter, les regarder comme ça. Après, il y a des gens qui sont intelligents des fois, ils ont commencé à se poser les questions là. Pourquoi les chèvres là sont rentrés dans le stade là, dans le terrain, et faire le tour du terrain comme ça là? Pourquoi?
Et les chefs sont partis aux turbines comme ça, s'arrêter, les regarder. Ça, c'est des mauvais signes. Hein? Dumfo nati. Nati. De nati kander terre, ha, di jindi der ton, ha. Di jindi der ton, ha, benda, di yai, bay di yai, dati kastad, tel mi le ton, nati kander terre, bay di indi nati. Di tu wa di tur tur kander terre, ton fo, di ha ka tribune, di ndari prefe oni, e militaire be jodi na obedo, kono sakitir no, ko kaje, kaje be fo be rada, be dogi, même chose, organise gordon kadi, fu be gagni kadi ender telimine benni be jonnatabe ko fi wadun wadindir gonu soso ben e fulbe ben joni mena on ambiscade wada no do be wara don joueur jo goto soso jo ben anon joni fulbe ben be telimine ben wari soso be be kindia be ko même chose kadi be organiser tel en zero couré yettu gol himbe men labe adda be zero couré mais Allah DM le pays là Allah no hidindi leydi ko on organiser dun ko idiamin. Fi wadi ndor gol soso ben on mélange les sousous avec les peuls, on mélange les forêts avec les peuls. Maintenant les malinqués vont s'asseoir observer maintenant, ils vont s'appuyer là-bas pour faire les campagnes là entre eux, les malinqués là. Tandis qu'ils vont dire non, c'est les peuls et les sousous qui sont en ça dit dans les problèmes. C'est les forêts et les peuls qui sont en ça dit dans les problèmes. C'est bien organisé. Vous avez vu comment ils ont fait? L'équipe là est partie d'abord à Kindia, l'équipe de Telimile là. Ils sont partis là-bas, ils ont gagné, ils ont refusé. Ils ont refusé de les remettre leur victoire. Ils se sont retournés maintenant à Telimile encore, organisés. Maintenant, ils sont venus à Telimile aussi, ils ont gagné, ils ont refusé. Pour créer l'embuscade. Les sousous, maintenant, les joueurs de Telimile allaient se lever avec la population. Ils vont taper un joueur de Kindia là, un sousou, ils vont le taper mourir. Maintenant, voici le problème. Où ils vont prendre ça là, mélanger maintenant? Dire que les peuples de Telimile ont tué les sousous de Kindia lorsqu'ils jouaient le match. La même chose qu'ils ont organisé l'équipe de Labela pour amener à zéro couré là-bas. C'était la même chose. Maintenant, ils vont dire que c'est les peuples. Vous avez vu même, ils ont commencé même à dire vraiment, non, Seludale est fort. Hein. Tout ce qui se passe en Guinée, même Seludale n'est pas en Guinée, ils vont dire que c'est Seludale. Seludale est fort. Ce fils Seludale est arrivé, Tampina est bête. Donc, quand on a dit que les gens organisent les peuls contre les sousous, les peuls contre les forestiers de zéro couré, c'est pour cela qu'ils ont commencé à dire c'est l'équipe de l'abbé, c'est l'équipe de comme ça. Hey, femme et politique. Quand on a dit qu'ils organisent, Foulbe Benang, on dirait ça, ça, ben. Forestiers Benang, ils diraient Foulbe Ben. Et puis, c'est fini. Après, ben, puis, on a dit qu'ils ont 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 dit et ni nous déposer des plaintes contre Mamadi Doumbouya ko wadi stade et zéro couréo jaka himbe temet en ay goddu mai fure jugo etta naba souda tellen ka frontière Côte d'Ivoire lagine ko tombe yabe asoy gaide gobe wadi fure jugo etta kadi naba ka camp militaire et soudo gol fure jido wobbe ko ni sourira Mamadi Doumbouya ko kefero bi kefero Mamadi Doumbouya anda Allah wari non jonyo yoli hole mako he. Karma de Dadis là ne va pas là laisser Mamadi Doumbouya. Vous ne pouvez pas juger Dadis, crime contre l'humanité là. Et vous mettez Dadis en prison comme ça. Sékouba Konaté se promène en France ici. Bala Samoura à Conakry là-bas, il monte dans les voitures climatisées là. Et vous allez prendre encore, assassiner Célestin. Hein? Célestin aussi, il est de la forêt Zéro Couré. Vous allez l'assassiner aussi. Vous allez monter à Zéro Couré encore, organiser les matchs de gala de soutien contre Mamadi Doumbouya. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont fait des beaux discours là. Aminata, la femme de CNRD là, ça c'est la femme de CNRD. La femme de CNRD, Aminata, je ne vais même pas dire son nom, tellement qu'elle m'énerve. Aminata, la femme de CNRD là, vous avez écouté ses décrets. Amara aussi, avant, vous avez écouté les décrets là. Aujourd'hui encore, avant même le match, vous avez écouté encore. Ils voulaient casser ça maintenant, comme il y a eu deux morts. Il voulait cacher la vérité pour dire que c'était des matchs de gala, pas pour Mamadi Doumbouya. Mais vous avez écouté France 24, RFI, BBC, ils ont dit que c'était pour soutenir la gente, le CNRD pour Mamadi Doumbouya. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Mais vous allez voir, le 31 décembre 2024, là, Mamadi Doumbouya, je t'avais averti, tes problèmes vont, vrais problèmes vont commencer le 1er décembre. Mes vidéos sont sur ma page
Hier, allez-y regarder mes vidéos là. J'avais dit ça à Mamadi Doumbouya. Organise les élections, tu vas quitter le pouvoir là. Tu ne peux pas arrêter Dadis. Et vous vous moquez de la forêt. Vous avez assassiné Célestin. Hein? Sa femme, ses familles, la forêt n'arrive même pas à retrouver son corps. Hein? Sans compter l'histoire du 5 septembre. Mamadi Doumbouya, toi seul maintenant, le CNRD, vous allez avoir 3 procès maintenant dans le monde entier, à la CPI. 3 procès. Hein? Le 5 septembre 2021, dépôt de carburant là, dépôt de carburant, c'était à 2022 là, je pense, non, 2022 là, ou 2023, dépôt de carburant, le 1er décembre, le 1er décembre à zéro couleur, 3 procès contre le CNRD, crime contre l'humanité, hein. Vous avez pris le Coran, vous avez prêté serment, regardez, vous avez amené Maracana, Kake, Kirukou. Vous avez amené Kirukou à zéro couleur là. Khatatoy, le politicien le plus grand Khatatoy de la République de Guinée. Et Amara, l'arrogance. Je vais vous dire devant vos yeux ici là, nous ne sommes plus dans la transition, mais nous sommes dans la refondation. On va vous refondre, bande de voyous, des délinquants que vous êtes, des criminels. Vous avez cru que la Guinée vous appartenait. Détournez de l'argent comme ça. Hein? Ils sont partis prendre des militaires parce qu'ils sont des malingués. Ils ne sont même pas formés. Comment on peut avoir des policiers qui sont expérimentés ou des gendarmes dans des dégâts comme ça là? On ne peut pas lancer, tirer même des balles parce que ça va faire paniquer encore la population de plus. À plus fort raison maintenant, gazer les gens. Et puis, il y a Takadi Otogede parce qu'ils ont fui, ils ont eu peur. Il y a même un milliardaire qui est mort là-bas, un homme d'affaires très très important. Ils sont en train de cacher ça. Ce qui s'est passé à zéro couré là, il y a un homme d'affaires guinéen qui est mort là-bas, qui fait partie des CNRD là. Mais ils sont en train de cacher l'affaire là. Nous sommes en train d'enquêter sur ça. Mardon Boudi Kalisi, homme d'affaires yo, guinéen yo, maïe d'un manika yo. On maïe quand ko wadi zéro couré d'okon. Mais il est soudou de nous, il me fait la kambe bende. Mais on wadi enquête, on boni homme d'affaires. Homme d'affaires Kadi, Batiko Katado, il était venu aussi pour soutenir les mensonges. Vous allez voir, le karma de Dieu là, ce que Mamadi a fait avec le CNRD au Guinée là. J'avais dit, si Dieu n'arrive pas à maudire Mamadi Doumbouya là, j'allais dire affaire de Dieu là, c'était de la blague. Mamadi Doumbouya vient humilier Alpha Condé, il vient mentir au Guinée. Le 5 septembre avec le Coran, Alpha Condé n'était pas démocrate, Alpha Condé a violé tant. Aujourd'hui, les criminels veulent se cramponner au pouvoir par la force. Hé, hey, petit, on va te décramponner au pouvoir. C'est la refondation, là. On va vous refondre. Tu les entends avec les gros mots en français, là. Ce n'est plus la transition, c'est refondation. Ça dit, quand tu vas leur demander la définition même de refondation, là, ils vont même pas te dire. Ils vont même pas te dire, bande de Djoudabi. Vous n'avez rien vu. Djouni, quand on mène. Mamadi Doumbouya mignon son état que Odaga a acheté en Goula ou la Guinée. Hakunan Anna Tagodola. Parce qu'aujourd'hui, militaire groupe Tati Djoni, militaire groupe Tati Djoni contre Mamadi Doumbouya. Il y a 3 groupes de militaires aujourd'hui qui s'opposent contre Mamadi Doumbouya. Ils sont de l'armée guinéenne. Les vrais militaires guinéens qui ont l'immatriculation. Hein. Ben non, non, Marie, immatriculation. Hein. Maintenant, 3 groupes de militaires qui ont été en Mamadi Doumbouya, ils amènent les gendarmes à partir de Rwanda qui va faire sa sécurité. Merci beaucoup pour ce côté-là. L'armée guinéenne, là, ils ont dit qu'ils refusent. Ils ne peuvent pas amener des étrangers ici pour faire sa sécurité. Il a cru, quand il va amener les armes qu'ils ont montrées aux Guinéens, mais à l'Agnon, les armes là, c'est pas pour la Guinée, c'est pour les Français. Les armements qu'ils ont montrés là, le 28 ou quoi, le fait de l'indépendance ou quoi là, tout ça là c'est pour la France, c'est pas pour la Guinée, c'est pas pour Mamadi Doumbouya. C'est pour les Français, Finobéa, Béwa, la base militaire au nom Mali, Kouré Mali, entre la Guinée et Mali là, pour déstabiliser le Mali. C'est tout. Les armements, c'est pas pour la Guinée, qu'au Finlande, c'est pas pour la Guinée les armes là, c'est pour la France, c'est pour les militaires français. Kobe Adirilou, non, c'était pour déposer entre la frontière de Mali et la Guinée, où dit ta base militaire, pour déstabiliser le Mali, Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, lui, il a compris vite.
une élection jaune organisée, libre et transparente. Vous allez voir. Donc, Makiti, on peut me faire dans l'angle. Donc, la plainte est déjà là pour le CNRD, pour le massacre du 1er décembre 2024, 28 septembre 2008, 1er décembre 2024. Vous n'avez rien vu encore. Et puis, ce qui me fait mal encore, vous pensez que vous allez cacher ça aujourd'hui. Vous êtes parti encore enterrer les gens la nuit là, 50 personnes à la fois, 20 personnes à la fois, des enfants mineurs. Quand on a dit ici que c'est les enfants que vous êtes en train d'utiliser là, pour faire la démagogie là, pour faire du mamaya là, vous avez dit, oh les blogueurs, les communicants, c'est des menteurs. Vous avez vu les preuves maintenant? Vous avez vu les preuves maintenant? Vous appelez les enfants des gens pour aller les partager le pain tapala par une boîte de sardines. Eh, hey, Mamadi Doumbouya, tu te moques des Guinéens. Te voilà aujourd'hui, tu es devenu milliardaire même en dollars. Mamadi Doumbouya. Sans compter même les business que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire, là, Rwanda. En France, ici, Mamadi Doumbouya, c'était des maisons. Dubaï. Tout l'argent de la Guinée à Dubaï, là-bas. C'est pour cela, quand vous avez fait les transactions de 1 milliard 500 et quelques millions de dollars, vous avez amené l'argent là à Dubaï. Les Américains ont bloqué l'argent là. Maintenant, ils ont. Camille Makoso sort ici. Moi, la Guinée, les banques sont pleines en Guinée. Voilà, les Mamadi Doumbouya sont en train de demander 100 millions de dollars. Ce farfelu-là, ce criminel psychopathe de pasteur-là, qui vient mentir que l'argent, il y a l'argent en Guinée. Hé, hey, prends ta part de gâteau-là. Mais Camille Makoso, il faut la fermer. Tu enlèves ta gueule-là dans l'histoire de la Guinée-là. En Côte d'Ivoire, Ouattara peut te donner le temps là, tu vas venir t'asseoir comme ça, gueuler comme ça. Ouattara peut se tromper, te remettre un passeport diplomatique. Ouattara peut se tromper, toi, te remettre un passeport diplomatique. Camille Makoso, un escroc pasteur, un mendiant pasteur, un fémant pasteur. Tu n'es qu'un fémant pasteur. Pourquoi tu ne vas plus au Cameroun? Tu sais ce que tu as fait au Camerounais là-bas, non? Benin Togo là, pourquoi tu ne pars plus là-bas? Un vendeur de drogue qui sort de la prison, il va venir nous dire qu'il est devenu pasteur. Un menteur comme ça. La Guinée-Conakry. Hé, hey, Camille Makoso, prends l'argent, tu manges et tu la fermes, tu fermes ta gueule. Tu n'es pas Guinéen. Tes mensonges là, un jour, Camille Makoso, tous les Guinéens n'ont qu'à garder mon direct là, ma vidéo là. Camille Makoso, le jour qu'on va avoir un gouvernement qui sera élu démocratiquement là, Camille Makoso, on va te porter plainte. On va envoyer l'Interpol te chercher partout dans le monde entier. Tout ce que tu as dit devant les Guinéens ici là, on va garder les vidéos là. On va t'appeler, tu vas venir nous témoigner. Comme tu dis que tu es ministre de la... devenir ministre des Finances en Guinée là, tu vas venir nous dire comment tu as eu l'argent là. L'argent qui est rentré à la banque là, tu dis que la Guinée n'a pas besoin de dette. La banque centrale est pleine de l'argent. Mamadi Doumbouya est en train de travailler, non? Tu es témoin, non? Tu vas venir nous dire devant les barreaux en Guinée un jour. Comment Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Tu vas venir avec la liste. On n'est pas pressé. Les vidéos là vont vous attraper un à un. Comme Mamadi Doumbouya. Allons-y seulement. Camille Makoso, viens manger l'argent en Guinée là. Et tu la fermes, tu fermes ta gueule. Escroc pasteur que tu es. Escroc pasteur, psychopathe pasteur que tu es. Tu n'es qu'un voyou, Camille Makoso. Tu la fermes, espèce de marmaillère que tu es. Tu es avec ta bouche, on dirait bouche de facochère là. Tu la fermes, tu n'es pas Guinéen. Ne viens pas parler de la politique en Guinée ici là. Va parler de la politique en Côte d'Ivoire là-bas. Quand tu marches en Côte d'Ivoire là, tu sais comment les gens même parlent de toi. Le menteur là. Et le menteur pasteur là, le féman pasteur, un idiot comme ça, les gens sont en train de mourir de faim, tu viens te moquer des Guinéens comme ça là, tout va bien en Guinée. Tu as raison, le paradis, tout va bien. Tu viens en Guinée, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu rentres avec 100 000 dollars. Tu as parfaitement raison. Mais bouffe l'argent là et tu la fermes. Ne te mêle pas des problèmes des Guinéens, tu n'es pas Guinéen. Tu as voyagé là, tu as vu. Est-ce que tu avais vu des bonnes routes en Guinée là? Comme ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire là. Tu es parti jusqu'à Dalaba. Tu as vu les routes là, non? Pourquoi tu n'as pas fait les vidéos pour montrer aux gens que Mamadi Doumbouya n'a pas travaillé? Tu étais aveugle.
Tu es passé dans les voitures là, sous les mêmes routes là. Tu n'as pas vu que Mamadi Doumbouya n'a pas travaillé 2000 km. Tu as vu les 2000 km là-bas. 2000 km qu'on a pris jusqu'à Abidjan. Espèce d'escroc pasteur que tu es, un escroc pasteur abandonné comme ça. Hein? Avec ta tête de calebasse là, quand tu vois sa bouche là, il part. Un démagogue comme ça là. Un vrai démagogue. Quand il ouvre sa bouche de facochère là, Mamadi Doumbouya travaille. Et il travaille où? Tu connais ce qu'on appelle quelqu'un qui travaille? Malgré que Ouattara n'est pas aimé aujourd'hui là, mais quelqu'un ne peut pas dire que Ouattara n'a pas travaillé en Côte d'Ivoire. Malgré aujourd'hui, les gens s'opposent contre Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, mais Ouattara travaille en Côte d'Ivoire. Tu viens nous dire, il y a l'argent en Guinée. Tu as raison, viens bouffer. Mamadi Doumbouya est devenu gâteau d'anniversaire. Gâteau d'anniversaire. Eux-mêmes, ils ont fait des décrets. Les décrets, les karmas de Dieu les a attrapés aujourd'hui. Les décrets là sont venus. Leur femme de CNRD, l'Aminata, hein, Amara, ils ont dit, pas de manifestation, pas de... C'est-à-dire, tout ça, elle est venue le prendre. On se fatigue pas. Tout notre rendez-vous là, c'est le... Tout notre grand rendez-vous là en Guinée, là, c'est le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, on a écrivé encore aujourd'hui, moins 3 jours. Petit, tu vas lire leur Doumbouya. Tu dis que tu es mal élevé, tu es arrogant. Tu vas te cramponner au pouvoir. Mais je t'ai dit, ce que Idi Amin est en train de préparer là, Idi Amin va te frapper. Donc, le décret que tu as préparé là pour enlever Baouri, ministre là. Baouri, je vais venir parler de Baouri. Et puis, des fois, Simidari, Baouri, Milan Dotonia, est-ce que Baouri même est peul? Baouri Kopoulo. Ont-ils les enfants des gens? Baouri se présente à zéro pour eux. Regardez les discours farfelus d'un intellectuel. Bidon, Baouri. Baouri, tu n'es qu'une honte. Tu n'es qu'une honte de la politique guinéenne. Regardez les discours de... Ça dit, Baouri, tu es une honte. Baouri, non, Hersini. Baouri, ça dit, non... Mais demande-toi, est-ce que Baouri est encore poulo? C'est ça ma question maintenant. Est-ce que Baouri est poulo, colonial poulo? Il est impé no wara zéro pour eux. Hein? Des criminels, ils sont venus criminels benoari, wari impé impé. Hein? Avec une préméditation, d'arrêter le discours que Baouri wala takune moala. Réconcilier les Guinéens, nous sommes en guerre. La Guinée, nous sommes en guerre. La Guinée, nous avons des guerres. Nous avons des guerres, nous avons des guerres. La Guinée. Baouri a réconcilié les Guinéens, la jeunesse, le football. Ça dit, Baouri, tu n'es qu'une honte, tu n'es qu'une abomination même. Tu n'es qu'une abomination, Baouri. Tu n'as même pas honte. Tu as ta cravate là, les enfants des gens sont assassinés par le CNRD, par Mamadi Doumbouya. Tu viens tenir des discours comme ça, on dirait même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, à cause du pouvoir là. À cause parce que tu détestes Selou Dalé, tu ne veux pas que Selou devienne président. Mais cette fois-ci là, on laisse tout dans la main de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Donc, partagez vos vidéos quand vous avez faux. On se reprend le soir. On m'a dit, Doumbouya, on t'avait averti, tu ne nous as pas écouté. Maintenant, tu as une plainte à la CPI. Le CNRD, vous avez tous une plainte. Aminata Traoré, la femme de CNRD, là, Amara, et le petit farfelu là, qui a tenu le discours là même, avant le match là. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la loi. Donc, portez-vous bien. Oh. Thank you.